Yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je voulais vous parler de Returnal C'est ce jeu qui m'a fait euh, Vibrer on va dire Non réellement je ne vais pas vous mentir J'ai adoré Returnal merci déjà aux abonnés Grâce à deux personnes Qui m'ont permis euh, de, de jouer à ce jeu Sur P5 J'ai euh, pu vivre une très bonne expérience Moi je l'ai euh, surkiffé C'est une petite pépite voilà Après ça reste un jeu difficile parce que c'est un roguelike Pour ceux qui connaissent c'est un jeu où tu vas devoir Commencer à jouer, c'est un jeu à troisième personne. Hein. Tu te retrouves dans des salles, tu vas devoir faire des choix, tac, tu vas devoir prendre des petits pouvoirs, des petits trucs et tout, et te mettre sur toi. Voilà. Et euh, tu avances, tu tires sur des ennemis, tu vas, de, tu vas mourir, tu vas prendre de tes erreurs, tu vas recommencer et ainsi de suite. Et euh, le but, c'est d'aller jusqu'à la fin du jeu. Je sais qu'il y en a plein de gens qui n'aiment pas forcément ce style de jeu, mais je peux vous dire que vous allez vivre des émotions, des choses que vous ne connaissiez pas si vous n'avez jamais joué à ce style de jeu. Moi je vous le recommande. Mais euh, là en vrai je voulais vous parler aussi de la version PC. Parce que la version PC elle est sortie le 15 février 2023. Et euh, bah, elle a du mal à trouver et à tirer les joueurs en fait pour le moment. Et il n'y a pas des grosses ventes. Bon déjà je me rappelle sur P5 ça a eu un peu de mal. Je sais que trois mois après sa sortie il y a eu 500 000 ventes. Là euh, il vient de à peine sortir. Que déjà, ils disent qu'il n'y a eu que 6680 joueurs simultanés sur Steam. Alors, pour que vous fassiez une idée, par exemple, il y a eu 73 000 joueurs sur God of War, il y a eu 56 000 joueurs sur Horizon Zero Dawn, il y a eu pour Death Gone, il y a eu 27 000 joueurs en simultané. Hein. Et euh, Uncharted, il a eu euh, 11 000 joueurs. Voilà, il n'y a eu que Sackboy, euh, Big Adventure, qui est a, qui a un portage aussi de chez Sony et qui a eu que 610 joueurs en simultané, ce qui est pas énorme. Alors c'est pas... On va dire... Euh, il n'est pas si tant dans la merde que ça. Ritournal sur PC. Mais 6000, on va dire 7000 joueurs simultanés, c'est pas énorme. D'accord C'est pas énorme. Et euh, si vous connaissez pas ce jeu, je vous dis, faut s'y intéresser. Parce que réellement, vous allez vivre quand même une histoire de fou. Surtout que j'ai adoré parce qu'ils aient pris un personnage féminin. Les personnages, ils n'ont pas pris une bimbo avec des gros seins, un gros cul. Voilà, comme d'habitude, ils font pour... Euh, comme euh, Tomb Raider, hein, qui a toujours été... La plupart du temps, c'est ce qu'ils font. Là, ils ont pris une dame assez âgée. Ils ont cassé un peu les codes. Moi, j'ai adoré comment, ce qu'ils ont fait en réalité. Et surtout que l'histoire, il euh, y a vraiment une histoire. Hein. C'est pas juste un jeu où tu, euh, tu vas, avances, tu meurs et tu recommences. Il y a quand même des cinématiques, il y a plein de choses qui se passent. Il y a vraiment... Euh, vous allez voir, hein, a... c'est bien écrit en plus. C'est bien foutu. Euh, on a une bonne fin. Moi, j'ai adoré ce jeu. Ah, bah, c'est peut-être pas sûr que vous allez voir la fin parce que c'est quand même assez difficile. Je vous recommande voilà, de ne pas trop stresser si vous allez claquer 200 fois. C'est normal. Moi, je suis mort une centaine de fois, je crois, dans le jeu. C'est vrai que vous allez claquer. En plus, maintenant, ils ont rajouté un mode coopération en ligne. Je crois que c'est un truc un peu à part avec des missions. Mais maintenant, vous pouvez même jouer en coop. Moi j'ai pas eu cette chance parce qu'au début quand le jeu est sorti sur PlayStation 5 il n'y avait pas ce mode. C'est vrai que ça j'aurais bien voulu tester. Il y a de la coopération. En plus maintenant vous avez ça. En plus il y a plein de modes. Hein. Il y a le format d'image 16-10, ultra large, 21-9, ultra large plus 32 -9. Voilà, ils ont fait il y a plein de choses sur PC. Hein. Eu... j'en avais déjà énuméré, j'avais déjà parlé du jeu. Et euh, il y a plein plein de trucs. Ils avaient rajouté bah, le ray tracing, euh, bien poussé. Il est quand même encore plus beau que sur P5 là sur PC. Ils ont rajouté plein de petites choses. Euh, J'avais une vidéo, je vous la mettrai dans, dans la description où je parle plus de la technique du jeu. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde. Normalement, je sais que j'ai parlé du jeu. Euh, Retournal. Et euh, réellement, je donne. Ouais, non mais c'est sûr que j'en parle. Voilà, je parle des. Euh... Oui, c'est ça. Je vous ai parlé de la date de sortie dévoilée, les configs PC, j'ai parlé de, de plein de choses. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup joué, hein, j'ai fait pas mal de lives. Ouais, déjà j'ai fait 8 lives dessus, Doom 4. Ouais, je sais pas combien de fois j'ai joué dessus, mais moi je l'adorais. Bon voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu que bah, les joueurs PC c'était un petit peu timide. Je pense qu'ils ont un peu peur d'acheter ça. Après combien ils le vendent C'est vrai que j'ai pas radé là, la... j'ai pas radé. Ils vendent 60 euros. 60 balles, d'accord Je vais regarder vite fait quelque chose. Euh, sur les sites de clés. Il oh, y a des pubs de partout, c'est incroyable. Les sites de clés. Regardez, il n'y a plus d'excuses. Par exemple, là sur euh, Gamivo, je vous ai pris euh, le site où je vais tout le temps, mais Gamivo, je le vois déjà à 37,75€. 37 balles, les amis. Si vous avez du mal à franchir le cap et de payer directement, je vous parle d'un site sûr. Après, des fois, il peut avoir des problèmes de clés, mais c'est parce qu'il y a plein de vendeurs. Il Suffit de les contacter, ils vont vous répondre. Franchement, des fois, ils me répondent dans une heure et demie jusqu'à 24 heures, mais la plupart du temps, ils me répondent assez vite et euh, ils m'ont toujours réglé mes problèmes. Ça s'est bien passé. Je, je leur fais un peu de la pub parce que voilà. Bon là, je vois en vrai il me dit 37 euros, mais quand je clique dessus, je vois 41 euros, 42 avec les frais, ça vous fait 45 euros. Ça fait quand même une économie de 15 balles. Et là, j'ai pris le premier site qui passait. Vous cherchez un peu, vous pourrez trouver quand même même mieux. Attendez, je vais me rader sur un autre. Euh, je vais rader parce que j'ai un comparateur de prix. Je sais pas où il est, là. Euh, là, il est. Oh, Je suis en train de me battre avec mon PC. Le comparateur de prix. Voilà. Comparateur. Ritornal, il est où ne même pas mis dans la liste pour vous dire. Riturnel. Alors le moins cher sur PC, moins cher des sites que je connais. Hein. J'ai pas de la merde. Cdk.com 37 euros. J'ai tout plaît. J'ai tout plaît. 38 euros. Penguin 38 euros. Instant Gaming 38 euros. Voilà, vous l'avez à 40 balles. 40 euros, ça fait une économie de 20 euros. Bah, voilà, franchement. Ouais. Et en plus, les 40 balles, il le vaut largement. Largement. Bon, allez, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à vous intéresser un petit peu à ce jeu parce que ça fait un peu de la peine de voir ce jeu qui fonctionne pas. C'est-à-dire qu'après, ils vont peut-être hésiter à en faire un deuxième alors que c'est une pépite. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, si vous avez kiffé. Et puis, euh, voilà. À plus tard. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit commentaire. Et à la prochaine. Ciao.